Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de Madame Isabelle Pelletier. Chers pèlerins, bienvenue à cette célébration et à vous tous et toutes qui vous joignez à nous par le biais de sel et lumière. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Rassemblés pour écouter la parole, nous sommes invités à la joie. Réjouissez-vous, car Dieu, lui, se réjouit lorsqu'un seul pécheur se convertit. Seigneur Jésus, tu pars à la recherche de qui s'éloigne de ton Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu cherches à convertir celui ou celle qui croit ne pas avoir besoin de Dieu. Prends pitié de nous. Seigneur, tu te réjouis lorsque l'Évangile est reçu et vécu. Prends pitié de nous. Que le Père de miséricorde, fidèle et tout-puissant, pardonne nos péchés et qu'il nous guide jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Aussi vrai que je suis le vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi, et toute langue acclamera Dieu. » Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche,
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Je verrai la bonté de Dieu sur la terre des Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme a fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car « j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle la retrouve, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter, nous dit l'Évangile. Jésus mange avec eux. Et les pharisiens, les scribes, qui sont des gens de la bonne société, murmurent, récriminent, car cette attitude ne leur apparaît pas convenable. Jésus manifeste sa présence auprès de personnes
qui leur sont difficiles à comprendre et à aimer. Alors que, comme il peut nous arriver parfois, ils ont le sentiment de faire tant d'efforts pour vivre selon la parole de Dieu et la loi de Moïse. Jésus répond par deux paraboles. Un berger qui a 100 brebis et une dame pauvre qui n'a que 10 pièces d'argent pour survivre. Tous les deux ont perdu quelque chose. On ne sait pas comment cela s'est produit, c'est du passé. L'homme cherche alors sa brebis, la femme remue toute la maisonnée pour retrouver sa pièce. Ils ont dû faire bien des efforts, réfléchir, recommencer à chercher dans des endroits où ils sont passés des dizaines de fois. Mais cela non plus, nous ne le savons pas. L'Évangile n'en parle pas. La seule chose que nous dit Jésus, c'est que si le berger n'avait pas été à la recherche de sa brebis, la brebis serait restée perdue. Le pécheur ne se convertit que parce que le Seigneur a pris l'initiative d'aller le chercher. Et il le fait en laissant les 99 autres. C'est dire le prix que Dieu attache à une personne qui se tourne vers lui. Seules les retrouvailles sont racontées au présent dans l'Évangile. L'accent est mis sur la joie de la découverte de ce qui était perdu. Une joie manifeste qui se partage entre amis au cours d'une fête. Le plus important dans ces paraboles, c'est la joie de Dieu. En fin de compte, ces deux paraboles montrent que se rendre proche des pécheurs est le propre de Dieu et de ceux et celles qui marchent à la suite de Jésus. Quand frère André était en présence d'un pécheur, on dit des témoins, il pouvait passer une heure à lui parler de l'amour de Dieu. L'insistance sur la joie de Dieu dans l'Évangile nous invite à nous réjouir de voir s'approcher du Seigneur ceux et celles que nous étions tentés d'exclure et à nous mettre au service de cette rencontre. Car, nous le rappelons, car il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. C'est une expérience qu'a fait à plusieurs reprises saint frère André. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par Jésus, par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières.
Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est un Père qui cherche constamment à nous rassembler, à nous rapprocher de lui, comme Jésus nous le rappelle. Redisons cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Et je vous souhaite une bonne journée sous la protection de Saint-Joseph et de Saint-Frère André. Bonne journée.